un investissement de plus de 300 millions de francs CFA pour mettre à disposition du public burkinabé un centre de formation professionnelle à la conduite automobile. Fruit d'une initiative privée, le centre de grand standing a été inauguré par le ministre en charge de la jeunesse et de l'emploi, Moussa Ouédraogo, Vincent Kendrebego. Dans le quartier Ouaga 2000, une auto-école ouvre officiellement ses portes au public. Le centre de formation professionnelle VIP Auto et Moto École est inauguré par Abdoul Wabou Drabou, ministre en charge de la jeunesse et de l'emploi. Nous avons vu visiter le centre qui comporte une composante ordinaire de formation auto-école, mais également une composante VIP. Et également une composante spécialisée dans la formation des engins lourds également. C'est un modèle d'autant plus qu'il n'est pas à son, disons, à son premier centre de formation. Il y a déjà un centre de formation spécialisé. Et aujourd'hui, il vient ajouter également encore, disons, un autre cadre moderne, VIP, comme le nom du centre l'indique, également au renforcement des jeunes. Le centre de formation professionnelle VIP Auto et Moto École est créé par Ibrahim Ouédraogo, un ancien conducteur d'engins miniers reconverti à l'entrepreneuriat depuis quelques années. Au moins 300 millions de francs CFA ont été investis dans l'équipement du centre pour des formations professionnelles qui vont au-delà de la conduite automobile. Le centre que nous inaugurons ce matin propose au public burkinabé la formation professionnelle suivante. Auto et moto, école de toutes catégories, conduite, santé, sécurité au travail et secourisme, mécanique et électricité, vulganisation, consultation, recrutement et placement, etc. Plusieurs personnalités du monde des affaires prennent part à la cérémonie d'ouverture officielle du centre, apportant ainsi leur soutien au promoteur Ibrahim Ouédraogo, présenté comme un modèle pour la jeunesse dans l'entrepreneuriat privé.